Salut à tous, c'est Megavolt. Je vous souhaite la bienvenue sur ce jeu The Legend of Zelda Skyward Sword sur Nintendo Wii. C'est un jeu développé et édité par Nintendo et Peggy le déconseille aux moins de 12 ans. Waouh, quelle bestiole étrange! The Legend of Zelda, le 25e anniversaire. J'imagine que vous l'avez reconnu, c'est certainement Zelda. Tel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste? Alors, bonjour Megavolt. Voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin. Tu t'en souviens? Zelda. École de chevalerie. Très sympa cette vue subjective. Ça c'est mon lit. Une petite table. Une commode, des objets en bois, une bibliothèque. Apparemment nous avons affaire à un Link sculpteur. Tenez, regardez, c'est sa dernière œuvre en cours. Bon, apparemment la fenêtre est bloquée. Tiens, et ça on peut l'ouvrir? Vous avez trouvé un rubis bleu. Sa valeur est de 5 rubis. C'est le début de la fortune. Alors, donc là c'est le rez-de-chaussée. Et puis là donc c'est le premier étage. Ok.
Il n'y a rien à redire, c'est vraiment magnifique. Salut Mémé. On va déjà déposer ça à côté. Et sans les casser de préférence. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il est bavard celui-là? Allez, un effort, petit gars! Aucune endurance, il se fatigue vraiment rapidement. Allez, on va le poser. Allez, c'est reparti! Tiens Mémé, cadeau, c'est pour toi. Je t'en prie. Allez, on va retourner voir Célestin. Vous avez obtenu un rubis rouge. Sa valeur est de 20 rubis. Allez, c'est reparti. Bon, un petit tour aux toilettes. C'est sympa, ces chiottes. Bon, à part le balai qui traîne. Des petites fleurs pour contre les mauvaises odeurs. Un, il se lave pas les mains, et deux, il chie dans son ben. Célestbourg. Tiens, une statue. Statue oiseau. Sauvegarde en cours. Données sauvegardées. Tiens, dépôt. Non, c'est pas comme ça. Comment est-ce qu'on les jette? Tiens, il y a un scarabée aussi. Non plus. Ah, poser, jeter, non. Ah oui, d'accord, faut un coup de Wiimote. Voilà, c'est comme ça. Un rubis bleu. On va aller à gauche. Et ouais, un deuxième.
faire d'ici. Et de 3. Un rubis vert. Sa valeur est d'un rubis, logique. Bon, on va grimper sur ces caisses. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Alors, la touche Z, d'abord on va le viser. Voilà. Et touche Z, cibler. Qui me demande de venir jusqu'à lui. Oui, c'est ce que j'allais faire avant que tu m'interrompes. Alors, un peu de recul. Et c'est parti. Oui, c'est vrai que sa jauge d'endurance et assez petite. Ben ouais. D'accord. Allez hop, on joue les Ezio. J'imagine qu'il faut pousser la caisse. Quoi encore? Oui, merci, je l'avais vu la caisse. Avec un peu d'élan. Loupé. Donc je disais, avec un peu d'élan, on devrait y arriver. On va regarder par là. Et voilà. On a le chat. Tiens, Link avec des oreilles. En tout cas, c'est vrai que c'est très joli. Tiens, on va faire une petite roulade en prenant la... Mais qu'est-ce qui... Quel idiot. Suicidaire, ce gars. Eh ben... Allez, l'autre côté. Voilà, une baie d'endurance, c'est ce que je voulais prendre.
C'est carnaval? Non, on peut pas mettre ça. Quoique... Bon allez, sublime. Et faux cul. Quelle réputation. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Vive la balance! Eh oui, Zelda, écoute les conseils de Mono Sourcil. Elle est jalouse. Et lui, il est inquiet. Oh, comment elle le traîne. Il a pas envie, ça se voit, non? C'est sûr que s'il a pas son oiseau... Complètement taré. Eh ouais, il se casse la gueule.
ben, il revient de loin, on peut dire. Elle s'excuse auprès de son oiseau, elle a failli le tuer, et lui, il est normal. Que dalle. Enfin, il s'excuse. À table. Ok. Bon, alors, où faut aller? Tiens, si je parlais à l'oiseau. D'abord, comment il va. Ok, bon, j'y vais. Alors, c'est par là. On va essayer une roulade. Encore. On va essayer. Voilà. Bon, bah, y'a rien. Celui-là, y'a quelque chose. Des feuilles. Il a la tête dure, ce Link. Oh, c'est drôle. Bon bah les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire une petite sauvegarde. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao !